Tourne. Bon bah voilà, on est prêt. Donc là aujourd'hui c'est direction les mines de Potosi, très connu. Donc voilà notre accoutrement. C'est assez marrant pour le moment. Ça dure 4 heures donc on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. J'ai du mal à le croire, mais c'est de l'argent. Et ça fait un peu mousse au chocolat. Et voilà, on continue la visite. La visite est terminée, juste pour une petite précision, j'étais pas avec Grégoire. Ah, je me suis coupé les cheveux aussi. J'étais pas avec Grégoire parce que moi j'avais un guide anglais, parce que je comprends mieux l'anglais, Grégoire avait un guide espagnol. Yes, yes, hello to all amigos from Francia, from Potosí, the highest city in the world. Pedro, my name, Pedro. Pedro. The most beautiful guy. Ici, 2h47 de route. Donc demain on visite la ville, c'est une très belle ville à voir. Et puis on repartira vers Uyuni. Donc voilà. Concernant la visite de cette mine, on n'a pas trop parlé parce qu'on pouvait pas, parce que c'est très sportif. Et on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on courait tout le temps avec, comme vous pouvez voir, les chariots qui passent, tout le temps être à l'affût, c'est assez compliqué. Donc en fait cette mine elle se trouve au niveau du Cerro Rico. Le Cerro Rico c'est une montagne triangulaire où il y a plus de 600 entrées de mines et une centaine de kilomètres de... Il y a énormément de coopératives et voilà. Le Cerro Rico il était au tout début était une montagne sacrée des Incas puis il était exploité par les colons à envoyer des Africains
des esclaves africains là-bas qui mouraient au bout de 5 jours parce qu'ils avaient froid et n'étaient pas habitués à l'altitude. Puis après c'était au Quechua et c'était à partir de 15 ans où ils avaient 6 mois obligatoires à faire dans les mines. Voilà. Il y a plein de choses à raconter, plein de choses. On les créera dans l'article. Donc voilà, et sur ce, on vous dit une bonne nuit. Ciao. Une petite visite de la Casa de la Libertad, une casa qui raconte toute l'histoire de la Bolivie, de son indépendance et tout. Et après on visite Sucre, on va au Mercado Central et on se casse direction Uyuni. Bon, Paris nous manque beaucoup. Donc là, je suis actuellement en train de monter sur la Tour Eiffel. Oui. Scène à côté, avec les pédalos. Ça n'existe pas. Paris. Bon, n'empêche que la vue est incroyable.